Lundi 2 mai, comment allez-vous? Je me suis pimpée ce matin parce que je vais en extérieur faire des photos pour Insta. J'ai décidé que j'allais me bouger un petit peu au niveau des photos. Mais j'attends la livraison des cartons là ce matin. Toutes les palettes. D'habitude ils arrivent tôt, mais là il est déjà 10h. Bon, on va voir. Ah, bah, je pensais qu'il allait faire un peu plus chaud, il y a du vent, ça caillosse. Mais voyez, c'est là, c'est dans cette ruelle, je trouve qu'il y a des perspectives intéressantes en photo. Alors après, je fais avec le retardataire, donc bon, je verrai à la maison. Par contre, le temps, alors attendez, c'est avec là, la vue sur le donjon. Mais faut voir, j'espère que ça rendra bien. Vous voyez, ça c'est le vent. Ouais, ça peut être sympatoche. Est-ce que ce plan est intéressant? Je pense que oui, salut. Par contre, je vais faire un peu de place parce que... Ah merde, c'est en train de filmer, c'est excellent. C'est en train de prendre des photos, j'avais pas eu. Il faut que je fasse de la place, il n'y en a plus. Pourtant, je comprends pas. Tiens, vous allez peut-être m'aider. Je fais le ménage dans les petites vidéos, les machins sur mon téléphone. Et à chaque fois, ça met espace insuffisant alors que j'ai l'impression de faire le ménage. Ou alors... Salut, toi. Ça va? T'es tout seul? J'allais dire t'es tout seul. T'es pas tout seul. Bah oui. Ah bah, je vois ça. Vous avez vu le nom de la rue? Rue des Ribaudes. Vous savez ce que ça veut dire? Du tout. Non, dites-moi. Mais personne connaît. C'est vrai. C'était les femmes de mauvaise vie, oui, dans cette petite rue. Ça, c'était des filles de joie. Oui, mais c'est des filles de Ribaudes, souvent aux gens, mais ils connaissent pas. Et ce qui est marrant, c'est que là, elle est en train de vous attendre. Ah oui, elle attend. Oh non. Bah écoutez, merci, vous m'avez appris quelque chose. Merci, au revoir madame. Est-ce que je suis une Ribaudes? J'en profite pour vous montrer. Voilà, très jolie. Je vais en refaire 2-3 clichés, puis après je traîne pas parce que je sens que les cartons vont arriver. Attends, la Ribaudes se réchauffe. Ouais, ça fait des petits volants. Ça craint, hein. toute la rue est bloquée à cause du camion de livraison pour le carton qui arrive. Ça bloque toute la rue? Ah bah tant pis, hein. Ok, bon, super. Bah merci, et la deuxième palette arrive. Allez, c'est la sortie de lundi après-midi. Déchetterie. Ça, la palette que j'ai eue tout à l'heure, on l'emmène directement, ça sera fait. On en a profité au retour pour s'arrêter et marcher un petit peu. Encore deux salles de ambiance, t-shirt. Moi j'ai froid, un petit peu. Enfin j'ai froid. Tu sais où on se croirait? Bayou. À Miami. Dans les Everglades un peu. Ouais. Tu vois? Il manque plus que les crocodiles. Le bayou plutôt. Je sais pas ce que c'est le bayou. C'est... Bah tiens, tu l'as devant tes yeux. Alors, je crois que c'est en Louisiane le bayou. Ah peut-être. Et t'as des gens qui regardent tes vidéos? Un petit peu. Et ben, tu devrais leur demander. C'est quoi ton conseil? C'est ça le conseil? Non. Non mais j'ai plein de choses à dire aux gens. D'accord. J'ai besoin de... Tu sais, j'ai besoin de transmettre. Il faudra que tu demandes aux gens si pour eux ça ressemble plus... Oui. J'ai compris à Bayou. À Miami ou à la Louisiane. Oui. Ou même à l'Italie. Alors, ton attention, conseil... il y avait une blague dans cette non, petite blague. Ton conseil. Allez, mon conseil. Alors, mon conseil, c'est plutôt que de se couvrir de manteau, il faut maintenir le corps à une certaine dynamique. Oui, je sais. Tu pourrais t'aimer, toute l'année, je suis en t-shirt. Mais ça, c'est vrai, quand il va au lycée, enfin, il fait cours, il est toujours en t-shirt. Tu produis de la chaleur avec l'activité. Donc, quand tu produis de la chaleur avec l'activité, t'as pas froid en vérité. Oui, donc ça sous-entend, il faut que tu bouges plus. Et là, bah, je conseille aux gens de faire exactement la même chose que je fais. Je commence la journée par de la petite gymnastique très douce. Vous verrez. Alors surtout, c'est vrai en plus. Mais pas surtout, que le matin, tu fais toute bah, la journée. Toute journée bah oui, bah. Il fait, mais des petits étirements, genre pff, échauffement. Il faut que, toujours que ce soit doux parce que attention de ne pas de mettre de traumatisme sur les traumatismes. Donc de faire que des choses extrêmement douces, de toujours y aller avec douceur, mais par contre régulièrement. Et tu verras qu'après, eh ben, tu restes tout le temps en t-shirt parce que tu n'as jamais froid. Un petit retour de course, ça c'est la promenade avec le vent, ça vous dit, ça fait longtemps. Bon, il y a que 3 sacs, mais en rentrant, on est passé à Leclerc, à la base, pour l'eau, et voilà. Je bois beaucoup d'eau. J'ai pris des œufs parce que pour moi, c'est retour aux salades. J'ai commencé hier, mais qu'est-ce que j'aime ça. Ça, c'est ma nouvelle lubie du matin, c'est exceptionnellement bon. Nutri-Score très correct, donc j'ai même scanné Yuka, il n'y a pas d'additifs, c'est super bon. Ces petites baguettes viennoises céréales et graines que je viens toaster au grille-pain. J'ai trouvé un nouveau roman, j'hésitais avec un autre, donc Laure Manel, Le craquant de la nougatine. Et bien il me semble que j'ai déjà lu un de ces livres. Voilà, donc ça va être ma petite lecture du soir. Je lis que le soir, hein, sinon j'ai pas le temps.
concombre pour les salades. La vache, pareil. Ça, c'est pour mon goûter. Oh non, mais il est trop mignon, il me lance la baboule. Tu veux jouer? C'est ça que tu veux? Fromage blanc 0% pour le goûter. Ça, j'ai pas compris, j'ai pris ça, j'avais envie. Chavroux, parce que c'est un petit peu la base de ma nourriture. Pour les salades, pareil. Ça aussi pour les salades. Des petites pommes de terre de Noirmoutier. Encore de la mozza. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On en a pris pas mal. Ça, c'est pour un midi également. On est passé, on a arrêté le beurre. On est passé donc à la margarine, enfin le prime vert végétal. Ça, c'est Eric qui prend ça quand je fais du riz. Moi, je suis pas trop chili. J'ai trouvé des gâteaux sans sucre. Enfin, je suis pas certaine que ce soit excellent, mais bon. Mon démaquillant pour les yeux, parce que je l'avais terminé, il est très bien. À l'eau de bleuet, ouais, c'est ça, purifié. Et il s'est pris des petites saucisses. Je découvre en même temps que vous, parce que en fait, on fait les courses, certes, en même temps. Mais chacun va chercher ses trucs. Bon, on mange pas la même chose. Ça, bah, allez, c'est bon ça. Pour aller avec les pâtes. Et voilà. On n'a plus qu'à tout ranger. Et pareil, ça commençait à m'inquiéter parce qu'Eric fait une consommation, mais genre, quand je vous dis excessif, c'est 5-6 canettes de certes light, mais on sait que c'est de la merde en fait. De boire des soda light, donc coca light en l'occurrence, c'est très très mauvais. Donc on a trouvé une alternative, enfin il a trouvé une alternative, je sais pas si c'est mieux. Mais mieux, si, je pense que ça sera dans tous les cas mieux, c'est de l'eau citronnée. Bon, à voir. Alors soit t'es ici pour aider ta mère, sinon tu descends. Tu aides ta mère? Tu sais que t'es très beau sous cet angle. Très beau garçon, vous voyez? On voit bien sa petite tache là-dessous. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu as vu? Et pour te féliciter de... bah de je sais pas quoi. On lui a pris la pâte, hein. Oh, regardez-moi ça. La feta du poulet. De la roquette, j'adore. Nous sommes le lendemain. C'est qui les imbéciles? Qui sont obligés aujourd'hui de retourner faire des courses vite fait? On a oublié deux trucs importants. Comment voulez-vous que je résiste à la sortie en fait d'Inter? T'as Marie Blachère, Eric me dit va me chercher à goûter. Ça fait 3 jours que je fais gaffe avec le sucre. Bah, je vais craquer. Hein. Alors, il y a tellement de choses, je sais pas trop là. Tu te rends compte que je n'ai rien acheté? Juste pour toi. J'ai résisté. Alors, je sais pas si tu vois les mêmes. Bon. Vous voulez voir pourquoi on est allé à Inter, ce qui nous manquait et qui est très, 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 très... Enfin, qui est indispensable. Les petits chocolats pour le café. On a des petits rituels, on prend 3 petits chocolats. C'est mon seul apport en sucre en ce moment. Et c'est trop bon, en fait. Il y a plein de goûts. Il y a chocolat au lait, chocolat crispy, chocolat noisette, chocolat amande, chocolat blanc. Trop bien. J'ai pris également... Bon, ça, c'est pour toi. Merci. J'ai pris ça. Bon, ça, c'est pour moi le midi, j'aime bien mon blanc de beurre. Le shampoing sec Wonder Woman. Shampoing express pour féminin, pour les femmes intrépides. Café. Et puis... Attention, séquence. Elle est magnifique. Une bouteille de gin qui est belle. Et comme l'autre fois, quand on est allé au resto, j'ai découvert le gin parce que je ne me rappelais plus. Et j'ai trouvé ça super bon avec le Schweppes. C'est la boisson de la reine d'Angleterre, tu m'as dit? C'est des conneries. Non. C'est vrai? Bon, bah voilà. Bah c'est bon, hein, je crois que c'est tout. Ah oui, bah non, non, c'est pas tout. Non, je suis passée chez l'imprimeur pour vous montrer, donc je vous l'ai montré, je crois, sur Insta, le flyer de la box de mai, là, qui est en commande, de Fête des Mères. Regardez cette beauté. Alors là, ceux qui la commandent, je pense que vous allez vous éclater pour la mettre en... Regardez la merveille. C'est magnifique. Magnifique, voilà le flyer. 19h50, je viens juste de raccrocher avec une créatrice. Oh, je suis trop contente, on va faire un truc pour juin, juillet. Pour... Oh, ça va être trop beau. Bon, j'ai dit que je vous parlais plus trop de la boxe. Eric est passé pendant ce temps-là, et je le voyais, il était là, genre, montrer l'heure, genre, t'avais dit que c'était fini, tu coupais ton téléphone à 18h. Mais là, ça valait vraiment le coup. Donc, je prépare une grosse salade, Eric a déjà mangé. Pas grave, il y en aura pour demain, avec les patates, du maïs, de la mozzarella, des œufs, du blanc de dinde, un truc comme ça. Elles sont très bonnes, hein, les Noirmoutier. Un peu chères, mais vraiment bonnes, donc je vais éplucher tout ça. Évidemment qu'il est là, même il contrôle, c'est un contrôleur. Bon, alors elle paye pas de mine comme ça, mais elle est délicieuse, je vais en reprendre pour la deuxième fois. Oh, c'est trop bon avec la mozzarella, les patates, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et là, je regarde Mariée au premier regard. Je suis tombée par hasard
quand je cherchais un truc à regarder, je sais pas, j'ai été prise par le truc, et forcément j'ai envie de savoir, mais les autres années je regardais pas du tout. Donc c'est pas mal, le seul truc c'est que c'est en replay et qu'il y a des pubs, et c'est chiant, il y a trop de pubs. Je vais aller m'installer, je vais manger ma deuxième fournée de salade, et vous dire eh bien, à très bientôt pour la suite des vlogs. Ciao !